Oui, bonsoir. Donc on est ici avec toute l'équipe de Nord du Roussillon, avec tous mes collaborateurs, pour se rattraper du jour de l'an qu'on n'a pas pu passer tous ensemble. Et ma chérie adorée qui est ma fille. Et nous sommes l'association des foulards verts. Nous sommes une association qui est regroupée auprès d'un malade qui s'appelle Laurent Rodriguez, qui a la sclérose latérale amyotrophique. Nous avons créé cette association pour venir en aide d'abord à Laurent, mais au fur et à mesure du développement de notre association et que la maladie a été, je dirais, décelée plus facilement, on a l'habitude de s'occuper des autres malades. Je suis fier de représenter ce soir les cuisines Schmitt. Nous sommes basés au Mas Guerrido. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Schmitt est des spécialistes de la cuisine, mais aussi des réelles solutions d'aménagement, salle de bain, dressing, meubles télé, etc. Donc venez nous rendre visite au magasin. Et donc place au spectacle maintenant, j'espère qu'on va se régaler. Bonsoir, alors ici je suis dans les coulisses. Et j'ai, je crois, le producteur et un des deux comédiens, Philippe Manzano. Vous êtes en pleine réunion là, parce que vous, qu'est-ce qui se passe là? Vous briefez Ben oui, parce que normalement, j'ai pas le droit d'être là. Ouais, mais t'as tous les droits, toi, Jamy. La TV4, la TV des Catalans, t'as tous les droits, frère. Donc Philippe Manzano, ici présent. Vous êtes un des deux comédiens là qui jouait ce spectacle. En face, c'est Olivier Parra, c'est ça? Eh oui, bonjour. De vous êtes le producteur aussi. Bah, on essaie de les produire. C'est pas évident parce que des fois, on se rend compte qui produit l'autre. En fait, mais en fait, ils sont tellement débordants énergie qu'on ne peut que les produire avec grand plaisir. Ouais, c'est pour ça que là vous êtes assis d'égal à égal, cap à cap, et on règle les derniers ajustements de la soirée. C'est ça, ce soir on met à l'honneur les foulards verts, il y a pas mal d'entreprises qui sont là, donc foulards verts, maladie Charcot, Laurent Rodriguez, maladie Charcot normalement on ne tient pas longtemps. Ouais, on ne tient pas longtemps, entre 3 et 5 ans d'espérance de vie, ça fait 25 ans qu'il est là. Donc un combattant en fait, c'est quoi? Un fou, un Rambo, un Rocky, mélangé, c'est fabuleux. Mais Charcot, t'expliques vite fait, il peut communiquer, comment il fait? Ouais, communiquer, ils ont décomposé l'alphabet en 3, et voilà, première, deuxième, troisième, 8 lettres par tranche, et il communique comme ça, il a écrit 2 bouquins, donc ouais. C'est hallucinant. Quand Timon, il m'a expliqué ça, bon, il a mis un peu de temps pour me le dire, hein, parce qu'il avait les yeux pour parler, mais à la sortie, je suis reparti de là, j'étais plein de courage, et je me dis que... Il faut arrêter de se plaindre, quoi, parce qu'il suffit de regarder le malheur autour de nous. Et... Voilà, donc son concept, c'est avec Jean-Claude Martinez. Je me trompe tout le temps, il m'appelle Martinez, moi, ça me perturbe. Donc JC, tout voilà. Simplement. Donc c'est lui qui t'a amené dans cette aventure. Alors lui m'a amené dans cette aventure artistique, et moi je l'amène dans cette aventure professionnelle d'organisation et tout ça, parce que lui, c'est moi et son truc. Mais c'est bien parce qu'on se complète vachement. Quand lui, il écrit, moi je monte sur scène, moi j'organise. Et voilà, ce soir, il y a 350, voire 400 personnes. Des entreprises qui viennent faire plaisir à leurs clients, amis. Demain mardi, tu recommences. Demain mardi, c'est on la recommence. Dernière date, et non, demain en mars, non, ouais, 18 et 17 mars, on remet celle qu'on a dû annuler à cause de Gloria. Et d'ailleurs, on a appelé la soirée du 17-18 mars Fuck Gloria. Voilà, je l'ai fait discrètement, mais j'avais fait Fuck Gloria. Et demain, parce que moi je suis 13iste, bon, j'aime beaucoup le 15, mais j'aime un peu plus le 13. Et demain, c'est Les Amoureux du rugby à 13 avec Bernard Gouache qui sera le parrain d'honneur des Catalans. C'est fabuleux, les dragons catalans. Parrain des Catalans, c'est original. T'as pas vu sur le journal les trafics d'organes sur les rugbymen? Ils enlèvent les rugbymen, ils vendent tous les organes tellement qu'ils sont beaux. Bon, sauf le foie. Tout le monde grillera sur les grandes tables et on mangera de bonnes roustes, de bons rôtis et de la bonne saucisse catalane bien de chez nous. Et pour ceux qui mangent pas de porc? Eh bien, ils mangeront du sanglier. Love me, potatoes... Love me true, never let me go. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rosita!